c'était de lancer un cri de cœur qui me tient à cœur, tout le quartier sud, parce que nous avons un problème qui est dû à la fermeture du poste de santé. Donc nous avons constaté que depuis la fermeture de ce poste, on était obligé de nous abattre sur le dispensaire sud pour vraiment trouver un local qui pouvait abriter le poste en attendant sa réhabilitation. Depuis lors, nous avons constaté que rien n'est encore fait. Raison pour laquelle aujourd'hui, on était obligé de nous réunir pour lancer vraiment un appel à toutes les bonnes volontés pour qu'ils puissent nous aider vraiment à la réhabilitation de ce poste. Qui a joué un rôle très important, je dirais, même dans l'histoire sanitaire de ce pays. Parce qu'il a abrité la première pharmacie d'approvisionnement du Sénégal. Le premier poste de l'AEF, l'Afrique occidentale française, et l'un des premiers à accueillir l'un des premiers médecins noirs africains. Bien que nous avons eu, la proposition vraiment d'une bonne volonté qui s'est manifestée, et nous lui tendons la main vraiment parce que ça nous tient à cœur. Voilà. Et nous déplorons aussi l'État en ce moment parce qu'en fait, depuis que c'est fermé, nous sommes à la maison du combattant qui pourrait être reprise d'un jour à l'autre parce qu'en fait, nous cohabitons avec les anciens combattants. Et l'État vraiment, le travail, la façon dont il se déroule, ça pose problème parce que le médecin soignant, après avoir effectué son boulot, est obligé de sortir pour aller se laver les mains et tout. Donc ça pose problème.